Le théâtre forum, c'est des mises en situation. C'est une mise en situation jouée pour permettre de se mettre à la place d'eux, de décortiquer une situation et de chercher des solutions à un problème. Alors, la situation, comment mobiliser les acteurs des territoires? Je pensais à un truc que Denis m'a dit tout à l'heure. Mm-hmm. Il me racontait une histoire d'une entreprise qui a installé un réseau de câblage dans un village. Ils avaient toutes les autorisations du maire, de je ne sais pas quoi. Et le jour où ils sont venus pour le réseau de câblage, l'habitant qui habitait là, il a dit « Mais qu'est-ce que vous faites là? Moi, je veux pas de votre câble, vous m'avez pas demandé mon avis, j'en veux pas. » Et ça s'est pas fait, ça s'est arrêté dès le départ, le projet. D'accord. C'est typiquement une question sur la mobilisation des acteurs autour d'un projet, ouais. Je vous propose donc de passer à ce deuxième niveau de réflexion et de commencer à imaginer une petite mise en scène. Les personnages, qu'est-ce qu'ils vont se dire, voilà. Un opérateur qui commence à apporter le matériel sans forcément qu'il y ait d'autres acteurs. Je peux trouver du matériel. Et puis l'habitant qui voit arriver ce matériel et qui se dit « Mais qu'est-ce qui se passe ici? Je n'étais pas au courant. » Je pensais à ça, mais plutôt c'est le voisin qui raconte. Moi, c'est cette image des gens qui se mettent à la fenêtre et qui disent « Regarde ce qui se passe là-bas. » Ah, super. Bonne idée. J'ai entendu dire que la mairie de je sais pas où a décidé... Il y a un voisin au courant, mais c'est pas le bon. Oui, voilà, il regarde ce qui se passe en face. Et après, on voit se réaliser la rencontre entre peut-être l'ouvrier ou l'association qui va toquer à la porte. Un truc rigolo. Je n'étais pas au courant. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va très bien, merci. Et vous? Qu'est-ce que vous faites ici? On est en train de mettre en œuvre le projet là, d'électrification. Chez vous ici? Non, c'est chez vous, j'imagine. J'habite ici depuis des années, mais c'est pas été consulté. Comment ça se fait? Vous n'avez pas entendu à la radio le... Ah non, madame, j'écoute pas la radio, moi. Dans les champs, je travaille au champ et j'ai pas le temps de la radio. Effectivement, pourtant, on a pas mal communiqué avec la mairie de Bamako. On a diffusé des spots. Et pourquoi d'ailleurs commencer à la porte de ma maison? Parce que voilà, vous pouvez commencer par... Non, mais j'entends ce que vous me dites et c'est assez intéressant. Parce que... S'il vous plaît. C'est une réalité. Il arrive que des projets échouent parce que l'autorité locale est surprise. Oui. C'est des projets portés par des ONG. Et donc, il peut se présenter en tant qu'autorité locale et rejeter l'idée de la réalisation du projet, le projet échoue. Mais alors du coup, par rapport à cette scène-là, on en est arrivé là, quelle solution vous proposeriez à ce moment-là? Mais il faut repartir à la case des... Voilà. Exact. J'ai une idée, mais je ne sais pas ce que ça va donner. Hein. Bah, on va la tester. J'ai une idée. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Je vais bien, vous? Bah, très bien, on est parti pour électrifier tout votre quartier, donc on est content, vous allez avoir l'électricité. Bah, j'étais pas au courant. Vous étiez pas au courant? Non. Comment ça se fait? Ah, mais je vais appeler tout de suite la mairie. Bah, je sais pas, moi je suis aussi dans les champs, donc j'écoute pas dans le village. On appelle la mairie ensemble, d'accord? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Là, je suis dans la rue, là, et les habitants, ils veulent pas qu'on installe l'électricité parce qu'ils sont pas au courant. Est-ce que vous pouvez venir? Ah, bah oui, mais j'ai que ça à faire. Comment je fais avec mes tables? Vous pouvez venir en bas de secrétaire général.